Ah bien, eurasienne. Avec Amandine Chanadar et Célestine Boissy, pardon. Ça y est les filles, la finale est dans la poche, 3-2, ça n'a pas été un match facile, mais au bout du compte, c'est vous qui remportez la victoire. Amandine. C'est sûr, ça n'a pas été un match facile, on a marqué quand même 2 buts rapidement, mais elles reviennent à 2-1. Après avec la chaleur, ça a été dur, mais on n'a rien lâché collectivement, donc ça fait plaisir. Célestine. Ouais, ben pareil, on a mis 2 buts assez rapidement. Je pense que ça a fait un petit peu comme match il y a 10 jours. Ça nous a permis de nous libérer un petit peu. Félicitations. Merci. Elles ont marqué aussi rapidement. Dans 2 semaines, vous montez en D2. Et il y a Célia qui met un autre but. Je pense que, heureusement, parce que le match aurait duré un peu plus longtemps, ça aurait été difficile pour nous. Bon, c'est une 8e étoile, non, si je dis pas de bêtises. C'est ça pour le club. Qui revient encore à Saint-Germain-Chapteuil. Le puits était tenant du titre. Célestine, t'as mis un doublé d'entrée de jeu, c'est ce qui est aussi. On aurait pu croire que vous alliez, comme il y a 15 jours, vous envoler. Finalement, elles reviennent à 2-1 très rapidement. Elles ont failli égaliser juste derrière encore. Jusqu'au bout, elles ont failli encore arracher le nul. Hein. On a eu peur jusqu'au bout. C'est vrai que souvent dans la saison, on a bien aimé se faire peur. Et, en principe, on gagnait. Bon, la saison, les filles, n'est pas terminée. Hein. Un gros morceau vous attend. Un gros morceau. Ouais. Dans quel état d'esprit vous êtes par rapport à ce super match qui va vous attendre, cette double confrontation contre l'OGC Nice? De toute façon, je pense qu'on a rien à perdre. On n'était pas parti au début pour jouer ces barrages. Donc maintenant, on est là. Nous, on n'a pas trop de pression à se mettre. On sait très bien que ça va être difficile et on
faut se faire plaisir. Amandine ? Voilà, on va profiter à fond de cette expérience. Au final, je pense que c'est un bon tirage pour nous parce que de toute façon, n'importe quelle équipe serait été dure. Donc là, c'est un club pro, c'est parfait. C'est que du plus. Que du bonus, ouais. Félicitations les filles. Merci. Le coach capitolien Sébastien Rébéron, bon, cette 8e étoile est dans la poche, hein, ça y est, ça n'a pas été facile, loin d'être facile même, mais au bout du compte, elle est pour vous. Oui, c'est sûr, ouais, ça n'a pas été facile du tout. Voilà, bah, on est vraiment super heureux d'avoir remporté cette finale, face au Puy qu'on n'avait jamais battu en finale et très rarement, je crois, même dans la compétition. Donc voilà, c'était un gros objectif qu'on s'était fixé en début de saison. On a réussi à le faire, c'était donc pas facile. Mais voilà, bah, on a joué avec nos armes habituelles, notre qualité. Et puis, même dans les moments difficiles, voilà, on n'a pas lâché pour obtenir cette victoire à la fin du match. Seb, la saison n'est pas terminée. Et non. Elle n'est pas terminée, elle est loin d'être terminée parce que là, c'est un gros, 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 gros morceau que vous allez affronter sur un match aller-retour avec match aller à Nice le 4 et l'OGC Nice et match retour le 11 à Saint-Julien. Ça va être encore un sacré truc à faire. Oui, c'est sûr. À vivre au moins. Voilà, c'est une super expérience à vivre, ça c'est sûr. Rencontrer un club pro, ça ne nous était jamais arrivé. C'est quelque chose de vraiment sympa. Et puis on va jouer à fond, quoi. Puis on sait qu'on n'a rien à perdre, ça va être très difficile, ça on en a bien conscience. Mais voilà, on va se faire plaisir à jouer à fond et puis après on verra, profiter au maximum en espérant faire plaisir à nos supporters, aux spectateurs qui ont l'occasion de venir au match retour. Et puis voilà, donc c'est vraiment une belle aventure qui nous attend et voilà, on va donner le maximum qu'on peut pour essayer de faire quelque chose de sympa. Quoi. Merci à toi Seb. Merci. Et félicitations. Merci. Avec la capitaine Ponote, Maë, bon, déception hein, parce que vous étiez quand même pas loin de revenir au score et d'aller jusqu'à la séance de pénalty. Pas loin, ouais. Après, je pense que ce qui nous a porté défaut, c'est la première mi-temps où on a laissé trop d'occasions à la mi-temps 3-1. Je pense qu'on aurait pu faire mieux sur cette deuxième mi-temps, même revenir à 3-3. Après, je pense qu'elles ont été un peu plus réalistes que nous et voilà, on a fait des erreurs qui nous ont payé cher. Quoi. Malgré tout, vous perdez 2-0, vous égalisez, enfin vous réduisez le score dans la minute, vous avez même l'occasion d'égaliser une minute après, vous avez failli revenir à 2-2 très très rapidement, ça aurait été vraiment ça peut-être le tournant du match peut-être, non ? Tournant du match, oui, c'est sûr, on a eu l'occasion de revenir à 2-2, c'est vrai que c'est malheureusement c'est pas le cas. Après oui, je pense que ça aurait été une autre tournure autour de ce match-là. On aurait eu beaucoup plus de suspense et je pense beaucoup plus de jeux au niveau des deux équipes. Je pense qu'elles seraient plus découvertes pour aller marquer justement le but qu'ils allaient leur donner la victoire. Mais bon, ça s'est pas passé comme ça. Tant pis. Bon, mais je sais que tu es très attaché au développement du football féminin. Ouais. Et aujourd'hui, il y avait pas mal de monde finalement. On avait un peu peur avant un quart d'heure, 20 minutes. Finalement, il y a eu du monde hein, finalement pour cette finale. Ouais, pas mal de monde. Ça fait plaisir justement que les gens s'intéressent au foot féminin. C'est super bien et j'espère qu'il y en aura de plus en plus. Et là justement, dimanche, c'est le tournoi des petites, comme on dit au Puy. Et j'espère que pour ce jour-là aussi, il y aura vraiment du monde et avec le dernier match de D2 aussi. Donc j'espère que voilà, on aura de plus en plus de monde qui viendra voir le foot féminin. Ce qui me tient à cœur, oui, parce que je pense qu'il faut développer ce sport-là. C'est encore peu connu chez certains. Il y en a certains qui disent oui, le foot c'est pour les garçons, mais pas du tout. On peut le prouver aujourd'hui, on a fait un super beau spectacle. Avec le coach Pono, Marc-Antoine Bria, déception, hein, défaite, courte défaite 3-2 contre Saint-Julien Chapteuil. Il y avait la place pour amener quelque chose, non ? Oui, 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 bien sûr. Je pense que aujourd'hui dans le contenu, c'était peut-être c'était mieux qu'au match de championnat. Alors on les accroche à 3-2. On a l'occasion pour revenir, je pense, à 3-3. Après, on a eu peut-être un petit peu de déchets face au but, mais je suis satisfait de l'investissement et oui, de l'état d'esprit montré par les filles aujourd'hui. Plus pas facile, bon, match 16h, il faisait très chaud, puis en plus, vous étiez, tu avais une remplaçante ennemie parce que tu avais une joueuse qui était malade, donc ça n'a pas été facile hein, quand même aujourd'hui. Hein. Bien sûr, dans la gestion, ça n'a pas été facile. Après, encore une fois, elles vont donner le maximum. Et moi, je leur suis reconnaissant par rapport à ça. Très bien, merci Marc-Antoine.